Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Donc là, je vais vous représenter les gars le glitch pour le faire à deux. Donc c'est pas le glitch solo, il fonctionne encore le glitch solo, hein. Donc là, je vous montre une technique pour pas fail en fait, pour pas le rater. Donc je vous mets le glitch entier dans la description, hein, et vous ferez cette méthode là. Donc la méthode c'est simple, vous avez une custom dans le camion. Il va vous falloir un garage, d'accord, garage de fonction. Là, je vais aller chercher une Ellie, vous prenez, ou un Karine Rebelle, vous prenez un peu ce que vous voulez, une voiture pas chère. Vous allez la chercher. Donc le glitch, il est vraiment simple, hein. Ah, j'ai oublié de vous dire, mon ami, il est dans une session sur invitation. Et de cette session sur invitation, il a lancé un travail de titan. Donc c'est une mission créée par Rockstar. C'est activité, jouer activité, créée par Rockstar. Mission, travail de titan. Dès qu'il est en travail de titan, il se met en privé. Voilà, c'est l'activité en privé. Et moi, à un moment, je vais le rejoindre. Mais comme il est en privé, si j'ai pas une invitation de lui, je pourrai pas le rejoindre. C'est ce bug-là qui va fonctionner. Donc là, on va chercher une voiture gratuite. Donc là, je sais pas, je me rappelle plus comment elle s'appelle là, la Tornado. Bon, j'ai pris ça. Allez, vous allez vous mettre à côté du camion avec cette voiture. Ensuite, vous allez à pied dans le camion. Donc les gars, abonnez-vous pour les autres glitches. Mettez la cloche pour avoir les notifications. Donc bientôt, moi je suis sur Fibre à partir du 14. Donc on pourra faire des lives au top. Donc je pourrais vous présenter plusieurs glitches en même temps. Pas avoir des écrans noirs. Franchement, je m'excuse pour les écrans noirs, les gars. Franchement, c'est pas sérieux, mais c'est pas ma faute aussi. Donc j'ai une très mauvaise connexion à la maison. Là, je m'en occupe. Le 14, Fibre à la maison, les gars. Donc ça coupera plus. Voilà, vous rentrez à pied, vous montez dans votre véhicule. Là, je vais rejoindre mon ami en partie chat qui est en session d'invitation. Donc là, c'est David. GG à David, merci poto. Je le rejoins. Donc j'attends le message. Et le premier message que je vais recevoir là, je vais le refuser. Donc ça veut dire j'annule ma manipulation. Là, je refuse. Ça me permettra de pas fail. D'accord? Vous allez le réussir à chaque coup. Là, je refuse et je recommence. Je reviens dans la partie, je reviens voir David. Et dès que j'ai cliqué rejoindre session, je spamme accélération. Là, j'ai cliqué 1. Dès que je clique, je spamme accélération. Et c'est là que je vais recevoir les messages. Bam, là, je spamme. Je spamme et là, boum, message. J'accepte. J'accepterai les deux messages. Et je vais revenir bugger dans la session. Donc là, vous laissez un peu le temps que tout apparaisse. Bim. Donc là, la voiture, elle est buggée. Donc ce que je peux vous conseiller aussi, c'est au lieu de faire accélération sur R2, essayez avec L2. Donc apparemment, on m'a dit qu'avec L2, vous ne pas bugger sous la map. Donc là, mon véhicule est buggé sous la map. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer de rue. Donc vous accélérez de rue avec le camion. Et je vais sortir du camion et lancer une mission Martin. Quand je serai dans cette mission Martin, je quitte la mission Martin. Ça va me faire réapparaître ici. Et le véhicule sera sorti dessous la map. Le véhicule sera planté dans le sol. Il faudra que je mette le cul du camion devant le véhicule. Et je monterai dans mon véhicule et je ferai flèche de droite et il rentrera. Il va me dire, voilà, votre camion il est plein. Vous faites X, vous allez accepter le changement de la custom que vous avez, vous en rentrez une nouvelle. Voilà, tout simple. Donc là, vous voyez, je vais dans la mission Martin. Mission Martin, ou enfin, vous pouvez faire un peu tout, quoi.
Peu importe la mission, moi je vous conseille Martin, c'est plus rapide. Voilà, je quitte. Je vais réapparaître dans la carte et la voiture se sera déplacée à côté de moi, mais pas sous la map. Mais elle sera encore buggée. Je répète, essayez de faire le glitch avec L2 au lieu de R2. Ah, qui là, le véhicule, il est là. Juste à me mettre bien devant lui. Faut que vous êtes bien à côté. D'accord, je rentre dans le véhicule et j'ai juste à faire flèche de droite. Et la duplication sera à moi. Ouais, dépôt de véhicule plein, ça veut dire le glitch il a fonctionné, nickel. Ça bug un peu, j'ai été vite. Mais voilà. Donc ça vous permettra de les faire d'affilée sans fail. Parce que souvent vous perdez votre temps, vous ratez avec l'autre manipulation que je vous ai mis. Là, vous êtes sûr de ne pas vous louper. Profitez-en les gars, il n'est pas patché. Je vous fais un live là pour le glitch.